Putain, c'est un truc de ouf. En fait, la nuit, quand je dors, je bouge trop, quoi. Je me retrouve sans souci. Journée sportive, non mais c'est une blague. Déjà qu'on suit toute la semaine en cours, il manquerait plus que le samedi, on aille faire du sport. Mais c'est chaud, quoi. Mais obligatoire. C'est écrit en tout petit en bas. Inscription obligatoire sous peine de 4 heures de code. Putain, Vernier, on aura ta peau. Alors, les gnomes, prêts pour la journée sportive? Je rappelle que c'est obligatoire. Ouais, on a vu ça, il y a pas moyen de négocier. Oh, tu me connais, hein, toujours là quand il y a un bon coup. Enfin, depuis l'affaire des douches, Vernier m'a à l'œil, donc non. Bon, Ludovic, Suliman, vu vos capacités physiques, je vous ai mis dans l'équipe de foot des filles. Le ballon en tambour, ça devrait aller. Oh la honte, l'équipe de foot des filles. T'enflamme pas trop, Fontella, toi je t'ai mis à la GRS. C'est de la gymnastique avec un ruban, tu verras, c'est super. On va chercher ton costume, c'est du lycra, c'est fragile, t'en prendras soin. Non mais c'est bon, il m'a donné ça parce qu'il a vu que j'étais quelqu'un de sensible. J'aurais pas dit ça. Ouais, moi non plus. C'est ça, la GRS? Ouais, c'est ça. Mams! Il en est hors de question, Adam! Hein, t'as dépassé ton quota d'heures de colle depuis longtemps. En plus, c'est très bien la danse. Mais c'est pas de la danse, c'est de la GRS. C'est pire. Je suis foutu, là, c'est la honte suprême. Mais non, il faut juste que tu apprennes à vivre en harmonie avec ton corps. Tiens, si tu t'y mets 2 heures tous les soirs, dans moins d'une semaine, t'es Patrick Dupont. Bon, mind-toi, j'ai pas que ça à faire. Et puis pense à ce que je t'ai dit. Tu es une plume qui virevolte dans une brise d'automne. Mais Mams, si je fais ça, les filles, c'est fini. Tu comprends pas? Je vais mourir vieux garçon dans un HLM pourri et toi t'auras pas de petits-enfants. Ouais, c'est ça la vie que tu veux pour ton fils? Ça suffit maintenant, hein. De toute façon t'as pas le choix. Alors tu viens. Je crois que je peux mourir maintenant. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, les gars, là? Vous avez pris un coup de soleil ou quoi? Mais quoi? Mais depuis quand on peut plus prendre sa douche après le sport? Mais on ne se douche pas avec les filles! Chacun son vestiaire et les slips seront bien gardés! On voulait juste faire corps avec notre équipe. Oui, mais un peu trop, là, un peu trop. Heureusement pour vous, Vergnaud, elle est déjà débordée par Fontella. Vous n'allez pas prendre trop cher. Ta belle voile, justement. Alors, Miss Monde, j'espère que t'es un bon avocat? C'est pas de ma faute, c'est ma mère qui m'a dit de faire la plume. Puis je pouvais pas savoir que Vernieu elle était derrière. Puis j'aimerais bien vous y voir, vous, faire de la gymnastique avec un ruban. Oui, mais c'est la photo ruban, c'était éclaté Vergnaud contre le mur du gymnase. Avec de l'élan en plus, depuis le bout du tapis. C'est un peu le principe de la GRS, je vous ferais dire. Non mais en tout cas c'est beau, hein. Te sacrifier au nom de tous les élèves du lycée, chapeau. Ouais mon gars, tu vas avoir ta statue au milieu de la cour, je t'enverrai les photos quand tu seras en prison. Bah, elle dit que t'es mort, mais t'as la chance, t'es pas collé. Ah non, pardon, elle dit qu'en fait, t'es collé jusqu'à ta mort. Encore? Ça fait 3 fois depuis ce matin, Madame Vergnaud. Vous êtes sûr que vous avez un problème de vessie? Non. Ouais, tu l'as bien cartonné quand même, hein. Ouais. Ça fait du bien de l'avoir comme ça quand même. On a cours là? Cours de maths. T'as compris ce qu'elle voulait dire? Non. Mais elle m'énerve à crier comme ça, là. On dirait Chewbacca, quoi.